Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer cette pose que j'ai réalisée sur moi. Alors là, je vais la réaliser de ma main gauche, donc ma mauvaise main, donc sur l'autre main. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà enlevé le gel. Par contre, j'ai nettoyé mon poil à granuler entre temps. Et donc, ils sont un peu noirs malgré le fait que que je me suis lavé les mains. Et en plus, donc j'ai un petit problème. Donc je me suis cogné le petit doigt entre temps. Et donc, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Aïe, 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 il s'est coupé, enfin, il s'est cassé beaucoup, beaucoup trop court. Ce qui fait que là, je suis dans un petit dilemme. Soit je le coupe et j'essaye de limer le restant de gel, ou alors je fais une petite réparation avec un petit sachet de thé. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, je vais vous montrer dans cette vidéo comment bien le faire. Avec, voilà, si vous n'avez pas de colle à capsule, je vais vous montrer comment le faire simplement avec du gel. Voilà, donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc on commence bien sûr par se désinfecter les mains. Le plan de travail doit être bien sûr désinfecté également. Et ensuite, donc, je vais repasser mon bloc polissoir. Alors là, bien sûr, j'ai déjà fait tous les travaux de base sur les ongles, c'est-à-dire repousser les cuticules, voilà, limer la surface. Donc là, je repasse juste un coup de bloc polissoir, tout simplement pour bien nettoyer donc, tout le reste de cendre de mon poil à granuler. J'aurais peut-être plutôt dû faire l'inverse, mais voilà, c'était comme ça. Donc là, je viens de sortir il y a quelques jours la formation maquillage. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de regarder tout ça. Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu en même temps que je me faisais les ongles. Donc si vous avez envie d'apprendre à vous maquiller vous personnellement, donc j'ai lancé une formation, on va dire pour les particulières, mais j'ai également lancé une formation pour les professionnels. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour la formation pro, on ne peut pas en tant que non-esthéticienne, proposer des maquillages, même si c'est du maquillage artistique ou quoi que ce soit, à des clientes contre rémunération. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de proposer des cours de maquillage. Et justement, j'ai axé ma formation sur cela, dans la formation. Ce qui fait que je vous explique, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous explique en long, en large, en travers, comment gagner, plus de 1000 euros en 8 heures. Donc sans avoir besoin de se faire payer pour les maquillages. Donc là, ce que je fais, c'est que j'y vais vraiment très très doucement sur mon petit doigt pour éviter qu'il se plie et voilà que ça me fasse mal finalement. Alors bien sûr, j'ai toujours cassé mes angles avant, hein, sinon je ne ferais pas ça avec un bloc neuf. Voilà, une fois que c'est fait, je vais passer avec mon cleaner. Donc moi, bien sûr, hein, j'utilise tous les produits de la marque Your Nails. Tous les produits sont hypoallergéniques, donc moi, je préfère. Voilà, une fois que c'est fait, je vais appliquer le gel de base. Je l'ai penché, il a coulé. Donc là, je le fais vraiment en direct devant vous, hein. Je ne parle pas en voix off ou quoi que ce soit, je suis en direct. Donc je prends vraiment très très peu de gel. Donc si vous avez envie de suivre l'une de mes formations, je donne bien sûr des formations de base, de perfectionnement. Donc perfectionnement, ça va surtout être forme artistique, mais on voit également les poses rapides, l'acrygel, les pop-it, enfin voilà, plein de choses comme ça qui sont un petit peu à la mode en ce moment, qui permettent de gagner un petit peu de temps.
Et donc, je propose un suivi vraiment très très long. Donc, peu importe votre pays, vous avez accès donc de n'importe quel pays, puisque je forme des élèves vraiment du monde entier, donc de tout ce qui est Dom-Tom, donc Martinique, Réunion, Guadeloupe, Tahiti, voilà, tous ces pays-là. Je forme également de tous les pays d'Afrique. Donc, j'ai des élèves de plusieurs pays d'Afrique, tout ce qui est bien sûr la France, ben forcément, tous les pays limitrophes, donc tout ce qui est Suisse, Belgique, Luxembourg, enfin voilà, tous ces pays-là, et également depuis peu le Canada. Donc je suis vraiment très 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 heureuse d'avoir accueilli quelqu'un du Canada, et puis j'espère en avoir bientôt, rapidement d'autres, puisque c'est un pays vraiment que j'adore, la mentalité, j'adore. Donc voilà, ça me fait vraiment très très plaisir. Donc si tu écoutes cette vidéo, voilà, ça me fait très plaisir que tu sois dans la formation. Et donc voilà, on va tout de suite catalyser tout cela. Donc je mets bien sûr sous ma lampe. Alors je place toujours bien mes doigts pour que voilà, pour que mes doigts soient bien placés sous les lampes. Donc là, j'ai une lampe LED UV qu'on retrouve également dans le kit de démarrage que je propose. D'ailleurs, pour mes élèves, je propose une réduction de 20% sur tous les kits du site. Donc le site, c'est www.yournails-international.com. Et donc voilà, je propose des kits assez complets, donc suivant le matériel que vous avez. On utilisera, enfin vous pourrez acheter plutôt l'un ou l'autre kit à votre convenance. Voilà, là il n'y a pas besoin forcément de le faire sécher très très longtemps vu que c'est le gel de base. Vous avez vu, j'en ai mis vraiment une très 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 petite quantité, hein. Vraiment, la couche doit être ultra fine, sinon ça ne tient pas. Donc là, je l'ai mis 30 secondes. Je laisse à nouveau 30 secondes. Voilà, là ça fait 1 minute. Finalement, pour le gel de base, ça suffit, hein. Il n'y a vraiment pas besoin de le catalyser trop longtemps. Ce que je vais faire à présent, je vais venir réparer mon petit doigt. Voilà, donc là, j'ai pris un petit sachet de tisane, tout simple. Et avec mes ciseaux, je viens découper. Alors, il n'y a pas besoin de prendre un bout trop grand. Juste découper un petit bout. Et je vais venir donc. Alors, j'ai pas besoin de tout ça. Je vais couper un bout. Je vais voir si ça fait la largeur de mon ongle. Oui, même largement, je crois que l'autre bout suffira. Donc je vais venir le coller finalement sur la partie fissurée pour pouvoir la renforcer. Alors pour cela, je vais prendre mon make-up rose, toujours de la marque Your Nails bien sûr, et je vais venir en appliquer un tout petit peu sur l'ongle. Je vais venir placer mon sachet. Alors bien sûr, ça tient moins bien qu'avec la colle à capsule, mais si vous n'avez pas de colle à capsule, ça peut dépanner. C'est, on va dire, un petit peu plus galère à coller, mais ça fonctionne aussi. Là, je vais le tirer, je vais bien le mettre en place. Et puis pour que ça se maintienne bien, je vais finalement venir donc le tenir sous la lampe quelques instants pour pouvoir bien donc pour qu'il s'applique bien. Et puis ensuite je vais revenir mettre du gel par-dessus. Donc on met toujours notre peau à l'abri de la lumière, le pinceau également, très important. Voilà, donc je l'ai bien remis en place et puis là du coup il tient bien. Donc là, je laisse catalyser pendant 30 secondes et ensuite je pourrais mettre le gel make-up par-dessus. Alors là, on va voir après au niveau du bombé s'il est encore suffisant parce que finalement, j'avais fait une pause il n'y a pas longtemps, il y a environ 2 semaines. Donc voilà, au niveau de mon bombé, ça devait encore être à peu près bon. Par contre, il y en a certains qui étaient peut-être un peu plus plats que d'autres. Donc on va venir vérifier comme ça si le bombé est suffisant. J'ai l'impression que mon index, voilà, il y a pas tellement de matière. Donc je vais peut-être en remettre un petit peu sur celui-là.
mais il n'y aura pas forcément besoin d'en remettre sur chacun. Je vais vous montrer de bien près. Ah, donc je comble. Donc là, comme je vous le dis, hein, je le fais de ma mauvaise main. Donc j'ai l'impression d'être une débutante à chaque fois que je travaille sur cette main-là. On fait comme on peut, hein. On essaye de répartir le gel. De toute façon, après, on peut toujours le rattraper au limage. En tout cas, si vous avez envie de suivre une formation qui est vraiment très 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 complète, donc je vous propose donc l'accès à mes formations. Mais voilà, vous pouvez vous dire peut-être, oh là là, je sais pas si ça me correspond. Moi, je préfère une formation, pardon, une formation en centre. Enfin voilà, parce que c'est ce qu'on entend beaucoup sur les groupes privés. Moi, j'entends ça à longueur de temps. Oui, mais les formations à distance. C'est pas bien puisqu'on n'a pas une personne à côté de soi, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être le cas pour d'autres formations à distance, mais moi en fait, j'ai une manière de procéder un petit peu différente. C'est-à-dire que déjà, moi je suis là 7 jours sur 7 pour vous accompagner. C'est-à-dire que même le dimanche, je suis toujours là pour répondre à vos questions, à vos besoins, voilà, même à vous coacher, parce que voilà, on parle aussi de confiance en soi, de toutes ces choses qu'on n'aborde absolument pas dans d'autres formations. Et pour moi, je trouve que c'est une partie, mais vraiment essentielle, parce que bien souvent, on n'a pas assez confiance en soi pour réussir, parce que finalement, c'est une composante essentielle de la réussite. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans la conférence que je vous offre aussi. Donc, si vous n'avez pas encore, si vous n'avez pas encore suivi ma conférence, donc je la propose régulièrement. Donc il suffit de vous inscrire. Il y a le lien juste sous cette vidéo, hein, donc vous pouvez vous inscrire pour la conférence. Là, on parle ensemble pendant plus de 2 heures et je vous explique finalement tout mon parcours, comment je suis passée d'un salaire vraiment minable à un très très bon salaire, et je vais vous expliquer ce qui a fait la différence pour moi et ce qu'il a fait encore aujourd'hui. Et donc voilà, là je vous donne un petit peu mes secrets que j'ai appris finalement pendant plusieurs années. Donc si vous avez envie de suivre cette conférence, vraiment, même si vous n'avez pas forcément envie de prendre la formation, mais je pense que ça pourra vous apporter des choses sur un plan personnel. Voilà, rien que d'entendre un témoignage de quelqu'un qui a su s'en sortir malgré beaucoup de difficultés, voilà, ça fait toujours du bien à entendre. Donc voilà, ça peut être... Ça peut être bien pour vous. J'offre également une formation d'initiation, donc totalement gratuite. Encore une fois, j'aime vous offrir des choses. Pour moi, vous êtes super importante. Voilà, chaque matin, je me lève en me disant qu'est-ce que je pourrais faire pour les autres, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très important, d'aider, de partager, comme dit, ouais, partager mon savoir. Et donc, du coup, j'ai voulu mettre en place cette mini formation d'initiation gratuite pour pouvoir donc vous expliquer finalement certaines choses sur la forme sur pas sur la formation sur les ongles. Et donc voilà, vous pourrez déjà tester, avoir vos premiers résultats. Et si ce mode d'apprentissage vous convient, on peut continuer sur la formation professionnelle ensemble, la formation qui est certifiante et donc qui vous permettra ensuite d'ouvrir votre entreprise et puis de bien sûr de voilà, d'en faire votre métier et puis de finalement de profiter de la vie après, parce que voilà, vous serez plus salarié, vous serez plus maman au foyer, enfin vous serez toujours maman au foyer si vous l'êtes, mais vous pourrez travailler avec vos enfants à côté, avoir un revenu, enfin voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je profite maintenant de la vie, je me dis voilà, si à 14h j'ai envie d'aller faire les magasins, je le fais tout simplement parce que j'en ai envie. Et je me dis voilà, la vie c'est pas demain, la vie c'est tout de suite. Et maintenant, c'est juste génial, quoi. Enfin voilà, moi je profite à fond et c'est tout ce que je vous souhaite. Honnêtement, c'est juste génial. Donc voilà, là j'ai catalysé pendant environ 1 minute. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon base et finition donc sur les autres doigts, comme ça séchera en même temps finalement. Mon index, finalement, je vais le laisser comme ça suffit. J'ai pas besoin d'avoir énormément de matière.
Donc pour moi, c'est vraiment pas évident de vous filmer cette main-là. Parce que c'est vraiment compliqué pour moi de travailler avec la main gauche. Plus de ça, j'ai une petite poussière dedans. Voilà, sortez-la toujours hein, si vous avez une poussière. Voilà, je vous montre vraiment tout, hein, je coupe pas la vidéo. Donc, voilà, vous voyez même les petites choses qu'on ne voit pas dans les autres vidéos. Même ce qu'on n'a pas envie de montrer, finalement. Alors, dans la formation aussi, on apprend beaucoup de choses sur pourquoi les ongles se décollent, comment régler les problèmes, tout ça, parce que pour moi, c'est essentiel. C'est vrai que dans une formation en centre, on n'a pas le temps de voir tout ça. Moi, je proposais avant aussi des formations en centre. Voilà, j'avais mon centre et tout. Mais je me suis rendu compte qu'en 3 jours, 5 jours, moi, je proposais même 10 jours, on n'avait pas le temps. J'étais tout le temps frustrée parce que je me disais, mais mes élèves n'ont pas le temps d'apprendre à bien travailler puisque j'ai pas le temps de leur transmettre tout mon savoir. Là, en 6 mois, je peux vous dire qu'on a le temps d'en voir des choses, hein. Et j'ai des élèves qui ont, en 6 mois, réussi à voir mon niveau, enfin le niveau que j'ai mis 10 ans à avoir. Donc je sais pas si vous vous imaginez, c'est juste une progression de dingue. Et tout ça pour le prix d'une formation classique en centre de quelques jours, quoi. Donc voilà, cette formation-là, elle coûte le prix que je demande pour une semaine de formation en centre. Donc voilà, là vous avez 6 mois. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que pendant 6 mois, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné tous les jours. Et en plus de ça, je propose donc le groupe privé. Le groupe privé, c'est vraiment, on est toutes sur ce groupe, on se parle tous les jours, il y a des lives, il y a plein plein de choses qui se passent sur ce groupe. Et finalement, toutes les filles qui ont intégré la formation, finalement, se retrouvent maintenant à se parler sur ce groupe et même en dehors, puisqu'elles sont devenues des amies. Enfin voilà, c'est juste génial l'ambiance qu'on a toutes ensemble. Et même quand je suis pas forcément toujours sur le groupe, parce que bien sûr, voilà, je fais des vidéos, je fais plein de choses, je fais des nouvelles formations. Là d'ailleurs, je vais bientôt commencer la formation extension de cils. Enfin voilà, je fais plein plein de choses. Donc du coup, je peux pas être toute la journée sur le groupe. Mais du coup, les plus anciennes, ce qu'elles font, c'est qu'elles aident à la correction des nouvelles. Donc voilà, les filles qui ont mon niveau, elles sont largement à leur place pour répondre aux nouvelles. Elles savent exactement ce que j'aurais répondu, et donc du coup, ben c'est juste génial quoi. Il y a une entraide extraordinaire, et surtout beaucoup de bienveillance, puisque moi je suis contre la négativité, vraiment, hein. Si vous êtes négative, vous n'avez rien à faire dans ma formation, parce que moi je veux pas des filles, je veux vraiment pas de filles qui critiquent, qui disent ouais, mais tu n'as rien à faire dans ce métier ou des choses comme ça. Pour moi, c'est pas du tout constructif, donc je veux que des choses qui peuvent faire avancer, vraiment, hein. Par exemple, on peut dire, écoute, là, c'est le début, c'est normal que tu aies encore des difficultés. Si tu fais ça, 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 tu verras, ça ira beaucoup mieux. Essaye ça la prochaine fois, ou alors relime tes parallèles, ou alors regarde le bombé, il faut le faire comme ça. Ça aide à l'évolution. De dire c'est moche, tu n'as rien à faire dans le métier, ça ne sert à rien du tout, à part démoraliser, casser les gens. Moi, je pense que, enfin, moi, je travaille pas sur le plan concurrentiel. C'est pour ça que je ne casse jamais personne. Même, on pourrait dire, voilà, que j'ai des concurrentes, des filles qui forment tout ça, qui au départ me cassaient un petit peu. Moi, j'ai dit, écoutez, faites votre chemin, moi, je fais le mien. Je pense qu'on a tous une place. On propose aucune la même formation, donc après c'est aux gens de choisir ce qu'ils veulent, c'est tout. Voilà, moi c'est ma philosophie. Je travaille pas du tout sur le plan concurrentiel, mais sur le plan créatif. C'est-à-dire que je suis tout le temps en train de me demander qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mes formations. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aider les gens? Qu'est-ce que je pourrais faire pour leur apporter plus de flexibilité, plus de
voilà, de liberté aussi, puisque la formation que je propose, elle est vraiment, voilà, vous la suivez quand vous voulez. C'est vous qui choisissez votre rythme, vous choisissez tout dans la formation. Si vous avez envie de vous arrêter pendant un mois, eh bien, vous vous arrêtez pendant un mois. Le suivi, il continue ensuite. Il n'y a pas de compte à me rendre, vous passez l'examen quand vous voulez. En plus, je propose un paiement en 12 fois. Donc vraiment, j'essaye toujours, toujours, toujours de voir comment l'améliorer, comment vous aider un maximum. Enfin, voilà. Vous l'avez compris, hein. Moi, j'ai vraiment envie que vous réussissiez dans ce domaine. Moi, j'ai d'ailleurs arrêté mon institut alors qu'il tournait bien. J'avais beaucoup de clientes qui étaient très, très déçues que j'arrête, tout simplement pour me consacrer entièrement à mes élèves et à mes formations et à ma chaîne YouTube, tout ça, même si je publie pas assez régulièrement, mais j'ai tellement, tellement de travail à côté que finalement, je peux pas publier beaucoup plus, quoi. Voilà, donc je fais au maximum. C'est pour ça que je vous publie les pauses que je fais sur moi aussi. Donc, maintenant, ça a catalysé un bon moment. Donc, le petit doigt, je le dégraisse et je vais repasser un petit coup de lime. Donc, justement, vous voyez, il reste encore un petit peu de papier qui ressort. Donc, pour cela, je passe un petit coup de lime sur les côtés. Voilà. J'arrive pas à trouver une position où je suis vraiment à l'aise pour bien vous montrer. Donc je suis désolée si vous voyez pas très bien. Alors sur les autres, j'ai mis le semi-permanent. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aime bien faire finalement des poses semi-permanents sur du gel. Je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc du coup, je le fais constamment sur moi. Voilà, là, je relime un petit peu le dessus, pas avoir trop d'épaisseur. Là, vous voyez que mon ongle est un petit peu crochu. Donc, pour éviter cela, j'ai bien placé ma lime en dessous. Voilà. Et je vais limer finalement juste un peu sur l'avant, sans toucher cette partie-là. Pour essayer de remonter un petit peu la pointe. Vous voyez ce que je fais? Voilà. Je laisse un petit écart. Alors les ongles naturellement poussent crochus, hein, donc il faut toujours les rattraper un petit peu. Je vais faire pareil de l'autre côté, si ça veut bien. C'est une vidéo qui risque d'être assez longue puisque sur ma main gauche, je prends toujours pas mal de temps. Voilà, je vais juste relimer un petit peu au niveau de ma cuticule aussi. Pour avoir un joli passage, ça c'est très important hein, de bien travailler la cuticule. Je vais bien affiner la pointe aussi. Là, je reprends sur les côtés. Voilà, donc là, je vais passer un petit coup de bloc pour enlever vraiment les stries formées par la lime. Et là, vous pouvez voir que mon ongle est totalement réparé. On ne voit plus rien. Donc voilà, c'est la magie. Et c'est vraiment juste génial, ça évite d'avoir à tout refaire et puis à éventuellement s'arracher l'ongle beaucoup trop court. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer mon semi-permanent. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas dégraissé sur les autres doigts puisque je vais l'appliquer. Donc on va peut-être pas refaire la même chose sur les mêmes doigts, on va peut-être changer. We'll be right back.
Thank you.